Les caries dentaires et les maladies des gencives sont dangereuses, et ont aussi beaucoup d'influence sur d'autres problèmes de santé, la maladie d'Alzheimer, le cancer du pancréas, les maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé plus graves qui peuvent résulter d'une mauvaise hygiène des dents. Cette fille, l'a réalisé un peu tard malheureusement. Elle part chez le dentiste pour l'extraction d'une dent, le dentiste trouve ceci à l'intérieur. Un abcès généralement rempli de pus, mais dans ce cas particulier, la dent était ce qui retenait le pus, donc quand la dent a été enlevée, le pus a commencé à s'écouler et a dû être complètement drainé. Vous savez sans doute que les plaies ouvertes sur votre peau peuvent former du pus lorsqu'elles sont infectées. Pareil pour votre bouche, si vous avez une infection, du pus peut se former dans la plaie. Une fois que c'est fait, il peut couler ou se répandre dans votre bouche, causant un goût mauvais et une mauvaise haleine. La leçon à tirer de l'expérience douloureuse de cette fille, c'est de consulter régulièrement son dentiste et veiller à avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Comment prendre soin de vos dents et prévenir les caries et les maladies de gencives? Brossez vos dents, Dr Hugo Sachs, président de l'Association dentaire australienne, a déclaré qu'il était malsain d'ignorer une séance de brossage. Il a expliqué comment se brosser les dents pour de meilleurs résultats, d'abord, passer la soie dentaire au moins une fois par jour, de préférence la nuit. Ensuite, rincez-vous la bouche avec de l'eau avant de vous brosser les dents. Utilisez de préférence une brosse à dents souple et électrique avec une tête rotative, une brosse à dents électrique est beaucoup mieux qu'une brosse manuelle. Brossez avec une technique de mouvement circulaire en utilisant un dentifrice fluoré. Dr Sachs a aussi conseillé de se brosser les dents pendant au moins 2 minutes et de ne pas trop appuyer avec la brosse pour éviter d'abîmer les mailles dentaires. Utilisez le fil dentaire. Le fil dentaire est un fil fin et doux. Si vous trouvez la soie dentaire difficile à utiliser, vous pouvez essayer le ruban dentaire, qui est plus épais. Ne soyez pas trop agressif avec le fil dentaire, vous risquez de nuire à vos gencives. L'action principale de la soie dentaire est un grattage ferme mais doux de la dent de haut en bas pour éliminer les résidus qui se logent entre les dents et que la brosse à dents ne peut pas atteindre. L'hydratation est la clé, visage mâle à l'eau est très bénéfique pour la santé des dents. Elle aide à éliminer les débris alimentaires et maintient votre niveau de salive élevé. Croyez-le ou non, la salive est en fait la meilleure défense de votre bouche contre la carie dentaire car elle contient des protéines et des minéraux qui neutralisent les acides qui détériorent l'émail de vos dents. De plus, une bouche sèche est propice à la prolifération des bactéries qui causent la mauvaise haleine et les caries. D'où l'intérêt de l'hydratation pour garder une bonne salivation. Évitez les sucreries, le sucre joue un rôle important dans l'apparition de la carie dentaire. Les bactéries qui se forment ensemble pour former la plaque utilisent le sucre comme une forme d'énergie. Elles se multiplient plus rapidement et la plaque dentaire devient alors plus épaisse. Certaines bactéries transforment le sucre en une sorte de colle qu'elles utilisent pour se coller à la surface de la dent. Le rince-bouche dans le cadre d'une bonne routine d'hygiène buccale, un rince-bouche peut être utilisé pour garder vos dents et vos gencives en bonne santé. Ces rinçages sont conçus pour aider à nettoyer la bouche après le brossage et le fil dentaire. En tant que liquide, il peut atteindre certains endroits que le dentifrice ne peut pas atteindre.